Salut Annabelle, ça va? Et ce qui devait arriver arriva. Il était doué, très doué, certainement plus malin que moi. Il lui fit un sourire, elle répondit, je l'avais déjà perdu. Alors, il y a moyen que je passe. Fais-moi au concert ou pas, c'est un toujours pour notre rendez-vous ce soir. Oui, c'est bon. Oui. Quel rendez-vous? C'est moi qui la vois ce soir. Et voilà, il l'avait fait. Il l'avait invité. S'ensuit l'engueulade habituelle. Elle m'explique qu'il n'y a rien. Et je fais tout pour la croire. Mais je ne peux pas tolérer ça. Ce sera lui ou moi. C'est du chantage. Prends ça comme tu veux. Ok. Il va capter qu'elle se fout de sa gueule et lâchera l'affaire, c'est sûr. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le concert ce soir? En tout cas, il a donc. Je pense qu'on devrait stopper Floyd. Hein. On devrait faire du gros punk qui tâche. Bon, c'est clair qu'elle est bonne. Mais putain, se prendre la tête comme ça, c'est pitoyable. Attends, on va s'appeler à Insectors. Ça va trop le faire, non? Quoi? Insectors. Yeah. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Petite forme. Pourquoi? On s'est un peu engueulé avec Annabelle. Je pourrais pas venir t'aider. Oh non, vas-y, s'il te plaît. Non, je viendrai pas au balance. Tu fais chier, James. Je sais pas trop quoi te dire, moi. J'aurais pas le temps. Et... Elle veut que je mange avec elle, et elle va pas très bien, elle voit Benjamin. Voilà. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ciao, James. Bonjour, je me trouve actuellement au lycée Clément Marot à Cahors, où quatre jeunes gens ont été grièvement blessés suite à une rixe entre camarades. Le fautif, Julien Clermont, un adolescent de réputation discrète, a disparu depuis l'incident. Les autorités locales sont d'ores et déjà à sa recherche. Dès que nous aurons de nouveaux éléments, nous vous tiendrons informés. C'était Alexandra Belloc pour CLTV.
était pas extraordinaire. Ouais, c'est un peu bizarre quand même sur certains points. Mais... C'est clair, tu vois, déjà il fumait pas de shit quoi déjà donc. Mais je sais pas ce qui lui est passé par la tête quoi, c'est. Y'a rien à faire. C'est un peu surréaliste, mais c'est pas trop étonnant non plus quoi. Il se pourrait que tout ait commencé à ce moment-là. Je ne me souviens plus. En plus, il buvait, alors... Vous avez un problème? Vous voulez sortir? Jinx a déboîté la gueule à quatre gars, c'est une véritable légende maintenant du lycée. Bah, cet après-midi, il devait nous faire le son, mais il est pas venu, Stricard, donc... Voilà, pas de nouvelles. Annabelle fait partie de ces filles que l'on voudrait aimer toute sa vie, mais avec lesquelles tout est trop difficile, inaccessible, nébuleux. J'aurais donné mon âme sur le champ pour que ça marche, mais ça ne marchait pas. Une de ces histoires en lesquelles on croit, où tout semble possible. C'était elle. La vérité, c'est que t'as pas plus de 20 ans. Et tu m'aimes? Oui, je t'aime. Non, allez, pars. Pars.